Salut à tous et bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Honkai Star Rail. Ah, je sais pas, c'est bizarre, mon OBS il a l'air d'être en PLS avec le jeu. J'espère que ça ira. C'est là où tu vois la difficulté en fait de, dans ce genre de jeu où tu vas avancer. Take them. They're very useful in combat. Okay. Cône de lumière. Remonte les stats des personnages, confère des capacités spéciales si le porteur est de la même voix que l'icône de lumière. D'accord. Effondrement céleste. Ouais, je me doutais bien que ça allait être sur ça. Hein. C'est ok. Les cônes de lumière peuvent améliorer les stats des personnages. Équiper un cône de lumière qui correspond à la voix du personnage pour activer de puissantes capacités de cône de lumière. Les effets suivants fonctionnent uniquement avec les personnages de destruction, d'accord. Superposition, ravage, augmente les dégâts de l'attaque normale et de la compétence du porteur de 20%. Ok, et ben vas-y. Donc je vais équiper la scène. D'accord. Ok. Ok. Comment je récupère des... Un coffre, hein. Comme quoi il faut fouiller, hein. Les jades stellaires, là, ça a l'air d'être un machin pour faire des vœux, ça. Ça ressemble à ça. En or, comme ça, là. Alors, attends. Monsters? Oh, probably shouldn't have said that. What? Oh. Un gros monstre. C'est quoi ça? Move carefully. Ok. Ok. Lui, il a ça. Piétineur d'aventure. Just a scratch. Oh. You have the worst luck running into me. Mais c'est ce que j'aurais fait à partir du moment où il est verrouillé. Mais... Stay right there while I give you a present.
224. Utilise le mode analyse pour consulter le statut détaillé d'un personnage. Le mode d'analyse affiche le bonus et malus appliqué au personnage. Ok, si bah, je pièce un aventure, concentre ses attaques sur cette cible. Appuyez pour ok, un statut. Oh, oh. Ok. D'accord. Maintenant, c'est bon, on peut les défoncer. Non, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. I told ya I could fight. Let's make it quick. Encore la défense pour l'instant. Je mettrai quand même une défense sur elle parce que j'ai même pas fait le petit bonheur. Let's go. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Step aside. I have no interest in stoking conflict. You can't run! You have the worst luck running into me! Let's make it quick. What about this? Okay. Cheval d'Achille. Okay. Why does it always have to get this exciting? Anyway, at least you're back. C'est... Non. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Quand les temps de chargement. March, Dunhung, you've been through a lot.
Himeko. Ok. Phew! Himeko, what took you so long? That last wave of Antimatter Legion came at us like a swarm of locusts! Have you ever tried shooting locusts with a bow? I wouldn't have made a difference. My orbital cannon can deal with a whole bunch of enemies at once, but I couldn't just blow up the space station with it. Herta would not like that. What? Ça n'aurait pas fait de différence pour moi, mon canon orbital. What the fuck? On peut s'occuper d'un tas d'ennemis à la fois, mais je ne vais pas faire sauter la sensation, sinon Herta n'aurait pas apprécié. Ok, d'accord. Are you all right, Arlan? Asta's been worried about you. C'est bizarre, quand même. I'm fine. A quick patching up will do. Thanks for asking. I'll report the situation to lead researcher Asta immediately. Bye. Hey, nice to meet you. I'm Himeko, navigator of the Astral Express. Navigatrice. D'accord. In other words, she's in charge of where the express goes. Okay. March hasn't been any trouble for you along the way, has she? Think carefully about how you want to reply to that. What? That's just my charm, and I didn't cause any trouble. You just have to get used to me. Look, Don Hung agrees, right? I have the right to remain silent. Look at you all. You've already gotten really close. Come on, Asta has been worried about all of you. Et c'est Himeko, rejoint temporairement l'équipe. D'accord. Niveau 3. Ok. Je sais qu'il faut aller là-bas. Mais je ne veux pas. Attends, elle fait quoi elle? Capacitation, d'accord, et un truc de feu, d'accord. Elle, c'est pyro, alors physique, glace, je sais plus c'est quoi, vent, je crois, enfin bref, et pyro, ok. Ah, ouais, il y a des trucs à récupérer en plus. Ça a l'air d'être grand. Combien on a mort ? Personnel médical. Okay. Chercheur en géopolitique. Chercheur géographique. Okay. On va juste récupérer les trucs qui sont à récupérer, je sais pas à quoi ça sert. Si ça sert réellement à quelque chose, un petit peu comme les livres dans Genshin, mais... L'espèce de... Là, je suppose qu'on va pouvoir tous les regarder à un moment donné, donc... Table et banquette. Juste pour ça, juste nous dire des trucs comme ça. Faisons un petit tour avant, avant d'aller parler à l'autre là. Asta, je sais pas quoi. Là, ils ont des bobos apparemment. Ça a l'air d'être grand. Mais alors c'est quoi ça? C'est le hub? C'est... Présentation de recherche, ok. On sait jamais. Quelque fois qu'à force, ça nous donne quelque chose.
Alors du coup, alors en admettant qu'il y avait des trucs importants à apprendre dans les machins, ceux ils ont fait des rerolls, ils ont fait comment? Parce que de ce que j'ai vu, les mecs, ils rushaient tout, ils savaient où il fallait aller, ils savaient les différents trucs, ils allaient point barre, quoi. Ils fouillaient pas, machin, tout ça. Mais là, on est d'accord que dans les coffres, il y avait quand même, à chaque coffre, il y avait 5 machins. Je comprends pas. Je vois pas l'intérêt, en fait. Ouais, d'accord, tu vas avoir un gros personnage. C'est le but du reroll, hein, à la base, hein, je pense. Ok. Il y a avant d'aller là-bas. Marre. Il en a marre. C'est que je voudrais pas qu'elle me happe. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On peut y aller. Si j'ai oublié quelque chose au chemin. Alors je vais pas écouter tous les personnages, parce que sinon on demande y encore. Projectile radar tracking normal. Telemetry signal frequency unusually high. Maintain at normal levels. Our measurements predict that the Legion is about to unleash over 10 waves of continuous attacks. Everyone, brace yourselves. Asta, we're back. Oh, I'm glad you're all back safe. Arlen just told me about the situation at the storage zone and about his injury. Thank you. For all your help. In times of disaster, I realize more and more that the space station's researchers are its most valuable assets. Alas, we were ill-prepared for such emergencies. We should have built up our security and combat departments. But on the other hand, the entire crew of the Astral Express seems to be extraordinarily skilled. What is the current situation on the space station? The situation is under control for now. The damage to our security system was minor. The intruder only managed to alter a small amount of data, so it was easy to fix. The real problem lies with the researchers. They trust Madame Herta wholeheartedly and never thought that the space station would be breached by the Legion. A broken spirit is far worse than a broken body. Let's go speak with the researchers. Right now, the space station can't afford any more unexpected turns, especially from within. Have you tried contacting Herta? I sent multiple letters, all met with silence. Ah non, c'est Asta, c'est pas Herta. You know her, Himiko? The space station is but a mere warehouse for followers and rare items. She doesn't really care about it. I knew it. No matter. I'll also send a letter to Herta and tell her that we've brought the rare item she seeks. At least that might get her attention. Oh, that would be of great help. Soit hyperspace, ce soit espérant permettre d'obtenir des personnages et des cônes de lumière. Bon. Passer les vœux, c'est ça? Si j'ai bien compris. Tout va vous permettre d'obtenir des personnages et des cônes de lumière. D'accord. Ah, un seul hyperspace, ce stellaire. Classique. Mais je peux pas, je suis obligé de faire là. Oh, c'est pas bon. Asta. Ok.
Fixation brillant et un... Attends. L'événement, il passe à ce cône de lumière. C'est pas les cônes de lumière, ça. Quantité de cônes de lumière plus garantie tous les 10 sauts hyperspace. Ça, c'est quoi? Option cible. D'accord. Ok. D'accord. R3, c'est quoi? D'accord, ça c'est les tickets. Et on peut avoir des tickets avec les cristaux, je suppose. D'accord. C'est où? Boutique, succès. Ah, succès. J'en ai d'autres. Ah, par contre, tu vois, je trouve. Ouais, j'en ai. Ah. Sonder l'insondable. Récupère 10 éléments de lecture à bord de la station de retard. 5 ans, tu parles à bord de la. J'en ai oublié, peut-être, je sais pas. Peut-être ça va se faire après. Ok. Tutoriel. Bouclier. J'ai fait personnage. Voilà le nouveau personnage que j'ai. Donc Pyro. Ok. Alors attendez. Je vais juste regarder un truc. Est-ce que maintenant je peux. Ah si. D'accord. Okay. Nice. Donc ça c'est le courrier. Donc ça c'est le truc de YoLab. D'aventure, je sais pas ce que c'est. Merci de réparer la connexion. Ok. 40. Question à jouer. On va répondre. Tant qu'à faire. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si. Voilà. À commencer. Hop. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous avez décidé de télécharger et jouer à Honkai Star Rail? Les éléments stratégiques de combat. J'aime certains personnages. Le style animé. Jusqu'à 4 trucs, d'accord. Graphisme, gameplay d'exploration, résolution d'énigmes, les commentaires positifs sur internet. L'histoire et l'univers sont attrayantes, les musiques de grande qualité, doublage de grande qualité, gameplay rock-like. Je suis de près, ouais, on va dire ça. Ouais. Justement.
Le style anime. Ouais. Le jeu fait partie de la série des Honkai, multiplateforme. Les graphismes de grande qualité, le gameplay d'exploration et la résolution de l'anime, les commentaires positifs sur internet, l'histoire de l'univers étrange, la musique des vagues. Alors ça, non. Parce que, ouais. Ozep. Doublage, c'est en anglais, donc. Ouais. Roguelike, ça, on le verra à la longue dans le jeu. L'histoire et son. Et l'unique. Qui sont attrayantes, pour l'instant j'ai rien compris. Pardon. Commentaire positif sur internet, ça m'a jamais fait faire sur un jeu. Le fait de savoir qui a le jeu, c'est déjà ça. Un peu les graphismes du point de qualité, il faut pas abuser non plus. On va dire le multiplateforme. Jusqu'à présent, quel est votre niveau d'intérêt envers aucun scénario et ultime réponse possible? On va dire, il m'intéresse. D'après votre expérience de jeu, que pensez-vous des différents aspects d'Honkai Star Rail? Une seule réponse par ligne. Les combats, tour par tour, mécanique des personnages, difficultés des monstres. Ça va. Le scénario, ça va. On n'est pas bloqué autant que dans Genshin, je trouve. Les graphismes, personnages et décors. Ouais, ça c'est pas mal. La prise en main, tuteur, apprentissage facile, une nouvelle fonctionnalité. Oh, il est là. Ouais, on va tout mettre satisfaisant. Hein. Vous n'avez pas encore répondu à cette question. Laquelle? Une question. Ah merde. L'optimisation des performances. Freeze, lag, lock. Ah! Moi, j'ai un peu de lag. Hein. Alors. Au cours de l'année, sur quelle console plateforme avez-vous joué parmi les séances sélectionnées toutes les options qui. Truc. Donc, PC, PS4. Ouais. Essentiellement, ce que je pense. Au cours de l'année passée, à quel genre de jeu avez-vous joué PC, console, machin bon. Alors, simulation, ouais, MOBA, non, jeu à rythme, non, ouais, jeu de sport, oui, l'année passée, non, oui. Ils ont même pas osé mettre leur jeu. Hein. FPS, non, j'en ai pas fait cette année. Non, et oui, ça on peut dire oui. Ouais. Déjà pas mal. Parmi les jeux suivants, quels sont les jeux auxquels vous jouez pendant. Que vous avez joué pendant plus d'un mois? Sélectionnez-les tous. Waouh! Plus d'un mois. Parmi les jeux suivants, quels sont lesquels vous avez joué pendant plus d'un mois? Alors, Epic Seven. Token Battle. Genshin Impact. En plus d'un mois. Mon cas, j'ai arrêté. Débêche les jambes. Pareil. Quel est votre niveau d'aventure sur Genshin Impact? Aurez-vous des commentaires du sujet à nous faire parvenir? Ok. Et les fameux 20. Serval de l'addition. C'est quoi? C'est un personnage, ça?
Pourquoi j'ai encore un... Ah, ça va répondre à la pinée, Ah oui, c'est un nouveau personnage, effectivement. On va y arriver. Serval, d'accord. Je vais faire les vœux. Et puis après, voilà. Ça va, le audition. Je sais pas quoi. Tonnerre, je crois. Électricité. Ok, c'est sympa. On va faire des jeux. On va faire sur ça. Sur la bannière normale. Parce que c'est le début du jeu. Je vois pas l'intérêt de. Je comprends pas. C'est quoi? C'est un personnage? Attends. L3. Dans un sens 5 étoiles, cible. Appuyez pour plus de détails. Ah si, c'est un personnage. Et elle, c'est je sais pas quoi. Je comprends rien. Enfin, je... Fixation rayonnante. C'est quoi ça? Attends, d'accord. Ça, c'est la perma. Ça, c'est la... La tempo. Ça, c'est pour... des cônes de lumière. Et ça, c'est... C'est quoi ça? Classique. Le départ. Oh, ok. On va faire sur la classique alors. Parce que le machin là, s'il s'en va pas, il n'y a pas de durée à ça. Donc ça veut dire que je peux le faire n'importe quand. Ça va me coûter moins cher. Et je suis sûr d'avoir un 5 étoiles. Donc autant pour l'instant. De les faire là-dessus. Bon, vous savez que de toute façon, moi, je l'ai fait une par une. Bon, allez, on va voir ça. Alors, vous me direz dans les commentaires hein, si ce que j'ai eu, c'est bien ou pas, ou qu'est-ce, j'en sais rien. Ok, quelque chose d'irremplaçable. Il n'y a pas, genre, la liste des personnages Je vois pas c'est quoi ces trucs là en fait. C'est pour c'est quoi? C'est pour augmenter un personnage? C'est pour c'est quoi ça? Attends. Ah, ok. Voir détail. Sauf c'était un événement permanent. C'est-à-dire des personnages, des cônes de lumière. Dans cet événement, vous avez la garantie d'obtenir un personnage ou un cône de lumière 4 étoiles ou plus tous les 10 sauts. D'accord? Donc je vais forcément avoir soit deux personnages, soit deux cônes de lumière, soit un personnage, un cône de lumière. Deux fois. En 4 étoiles, bien évidemment. Le taux personnage et cône de lumière 5 étoiles. Dans cet événement, les chances de base d'obtenir des personnages ou des cônes de lumière 5 étoiles sont de 6%. Les chances de base d'obtenir un personnage 5 étoiles est de 3%. 0,3%, pardon, excusez-moi, et 0,6%.
Et les chances de passe d'obtenir le colonel, les chances cumulées d'un personnage à sa garantie comprise est donc de 1,6. Ouais, ça change pas de Genshin. Vous avez la garantie d'obtenir un personnage ou un clone de l'universalité tous les 90. Ouais, c'est comme dans Genshin. Comment je descends? J'ai dit que c'est souhaité. Personnage comme dans cet événement, les chances d'obtenir un personnage avec un même école sont de 5,1%. Les chances d'obtenir des personnes qui sont de 2,5%. Je comprends pas. Chaque fois que vous obtenez un code de manière 5,1%, vous gagnerez 40 mortels. Chaque fois que vous avez une canadienne, vous obtenez 8 des milliards d'étoiles. Voilà. Des chiffres de partout, sans déconner. Ah, d'accord, les personnages. Himeko, Welt, Brunia, Guépard, Clara, Yang, King, Beidou. D'accord. Comme de lumière, nuit, sur le. Mais Marchette, Arlan, Asta, Ayrton, Natasha, Serval, Pela, Champion. Hook, Sushan, là je comprends pas, mais c'est pas grave, allez, on s'en fout, on y va. Allez, on fait nos autres vœux. Ok. Est-ce qu'il y a un truc? Je sais pas ce que c'est, je crois. Là j'ai un bleu, c'est ça? Ok. Fait, hein. Non, je fais pas des multi, moi je fais que des singles. Par contre, ouais, ça fait mal au crâne, hein, les effets de lumière, là, tout le temps. Là. Ombre cachée. C'est sympa le truc pour. Harmonisation. Je comprends. Est-ce qu'il y a une animation spéciale pour les autres trucs ou... Et c'est quoi? C'est des cônes? C'est... Je sais pas ce que c'est ces trucs-là. Là. On va faire les tirages. Hein. J'en sais rien. D'enconnage.
quoi ça sert ces trucs-là? On essaie de voir s'il y a un truc différent hein, qu'on aura autre chose. Bon, ça, je crois que j'ai du tout. Hein. C'est violet là! Arlan, ok. La destruction, ok. J'ai pas vu la différence. Est-ce qu'il y avait vraiment une différence? Pas de différence entre les trucs en fait, c'est ça qui me trouble. Ondulation. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai pas eu un truc de foufou là? J'ai quoi? J'ai eu un personnage, Arlan? Ça doit être un con, je suppose. Donc, si je vais voir la boutique. Wow. Passe spécial plus d'arrêt. Passe d'arrêt. On peut avoir des personnages. Provision préparée par l'espace pour les pionniers avec un place. Oh, d'accord, c'est un machin de trucs. Ok.
Ça. Je peux en prendre. Les 4 jours. Enfin, 5 jours, je suppose. Ok. C'est quoi la différence entre le pass spécial et le pass Star Rail? Ça coche onirique. Ah, voilà. Jade stellaire, ça me permet d'acheter des passes spéciales, espace. C'est quoi la différence entre les deux? Au secours. Ok, ça c'est les astéries. Et ça c'est les astérions. Je vais faire un truc parce que je comprends pas. Je vais en prendre un. Fermé. Et je vais en prendre un. J'ai peut-être fait une grosse connerie, hein, mais je comprends pas. Ah. Ok. D'accord. Ok, d'accord. Bon bah écoutez, vous savez quoi, quand on aura 8 tickets, on fera cela. On fera cela, et puis voilà. Ça nous fera toujours gagner un... Alors c'est quoi, c'est les tickets normaux? Ah, ok, d'accord. Mais... de sa technique, s'il devient furtif pendant 20 secondes, lorsque furtivité est active, s'il ne peut pas être détecté par les ennemis, si elle entre en combat en attaquant un ennemi, elle bénéficie immédiatement de l'état amélioré. Ok. Je sais pas. Est-ce que... Vous savez quoi, j'en ai un, je vais le faire. Vas-y. Les autres, je vais les garder pour le moment. Bah, c'est bizarre. Quand j'en aurai 8, bah, je ferai ceux-là. Et puis, on verra bien. Voilà. C'est un peu compliqué, toute leur histoire, là. De cône de lumière, putain, j'ai des cônes de lumière et toi. Personnage. Donc j'ai lui.
force augmente les dégâts d'un LAN pour chaque pourcentage de PV en dessous de ses PV max jusqu'à un maximum de 36% des dégâts supplémentaires. Inflige des dégâts de foudre équivalents à 50% de l'attaque d'un LAN. Consomme 15% de PV max d'un LAN pour infliger des dégâts de foudre équivalents à 120% de ce de PV max d'un LAN. C'est pas suffisant, le PV est réduit de 1. Inflige des dégâts de foudre équivalents à 52% de l'attaque d'un LAN à un ennemi unique et des dégâts de foudre équivalents à 96% aux ennemis adjacents. D'accord. Attaque immédiatement un ennemi inflige des dégâts de foudre équivalents à 80% de l'attaque d'un LAN. À tous les ennemis à pas être en train de combat. Ouais. Ouais, c'est chelou. Je sais pas trop. Donc sur ce, on va s'arrêter là. I don't know. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. On a fait les vœux. Alors dites-moi dans les commentaires si j'ai eu des bons trucs ou pas. J'en sais rien, je comprends rien. Pour l'instant, comme je vous ai dit, vous allez avoir des vidéos assez fréquentes, mais je sais pas exactement quand, qu'est-ce, j'en sais rien, je pense qu'il y a plein de fonctionnalités qui vont encore se débloquer par la suite, mais voilà, je pense qu'on a fait le tuto, pardon, je suis désolé. Le tuto, je pense que c'est essentiellement ce qui va nous permettre déjà de bien commencer dans le jeu, on va dire. On fera la quête plus tard, et puis voilà, je sais pas quand est-ce que je ferai des enregistrements ou pas, quand est-ce que je jouerai. Le problème, c'est qu'il faut jouer un petit peu tous les jours, mais voilà. Ah, bon, je verrai ce que je ferai. Alors, attendez, si je fais Alt... Alt, ça c'est mon inventaire, non? Matériaux d'XP de personnage, d'accord, ça. Matériaux d'XP de personnage. Cœur d'un monstre errant dans le fragmentium. Matériaux communs utilisés pour le renforcement, d'accord. Une petite quantité d'antimatériaux, matériaux communs utilisés pour le renforcement, d'accord. Ah, d'accord, donc j'ai eu des cônes de lumière apparemment. Si j'ai bien compris, c'est ce que j'ai eu. D'accord. Ok. Donc il va falloir que je regarde bien ça. Mais comment j'ai eu tout ça là? Ah, ça c'est quand je pète les trucs, non? Le synthèse, mélange d'hydrogène et d'oxygène essentiel au maintien de la masse de base de carbone conservée dans son état solide. Franchement. Source, variant ou autre ennemi de la zone de stockage. Trouvé dans les objets destructibles sur. Ouais, d'accord. Okay. D'accord. Aucun objet. Aucune mission. Donc, ça, j'ai un truc spécial. Lumière d'étoile mortelle. Donc, ça, c'est pour les. Ok. Donc, ça, c'est les astéries, si je comprends bien. Ça, c'est l'équivalent des Astérions. Et ça, Ertherim. Crypto-monnaie en circulation dans la station spatiale Erta sert à acheter des marchandises dans des boutiques spéciales. Ok, je sais pas. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là. Merci encore d'avoir regardé. N'hésitez pas à le like, le commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications. Pour être au courant de chaque sortie de vidéo, je vais m'arrêter là, je vais faire le montage pour que vous puissiez les avoir, puisque je suis dans la nuit de mercredi à jeudi, donc voilà. Bref, allez, sur ce, on se laisse, et je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.